Alors, vous venez d'une très belle région, hein, n'est-ce pas? Et Blaye, on dit Blaye. Et est-ce que c'est là-bas que vous répétez? On répète, oui, aux alentours, autour de Bordeaux, dans la métropole. Et vous pouvez vous réunir régulièrement ou c'est selon les disponibilités de chacun? On arrive à se réunir assez régulièrement pour le plaisir de jouer et de se retrouver, surtout. Alors, comment avez-vous préparé cette prestation entre celle de ce matin et celle de cet après-midi? Avez-vous eu recours à de l'aide extérieure, à des conseils avec d'autres chefs? Comment avez-vous préparé? Oui, on a préparé. C'est la troisième fois qu'on fait le championnat et on prépare toujours régulièrement des chefs invités comme Florent Didier ou Laurent Douvre ou d'autres chefs même étrangers qui viennent nous apporter leur savoir et savoir-faire et on prend tous un plaisir immense à les retrouver et puis à progresser par la suite suite à leurs conseils en fait. Alors dites-nous juste comment vous vous sentez en sortant de scène là avec ce que vous venez de vivre ce matin et cet après-midi. Quel est le rendu des musiciens? Est-ce qu'ils vous satisfont? Fasse ou pas? Ils me satisferont toujours. Voilà. Et je suis très content de ce qu'ils ont fait. On a passé vraiment un bon moment et comme je leur ai dit, c'est plaisir, émotion et partage avant tout. Et on accueille maintenant le directeur musical de ce brass band numéro 1. Pour écouter cette interprétation de Tritico de James Curnow, jury, êtes-vous prêt? Merci. Thank you.
Donc ils vont en honneur. Donc un premier prix, donc une mention très bien, donc un accès pour l'année prochaine à la division honneur.